monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais enfin vous présenter du coup mes achats que j'ai fait chez Bath & Body Works. J'ai cette boutique pas très loin de chez moi, à peu près à 20 minutes dans un centre commercial sur Québec. Enfin, j'ai plus à commander par Shipito pour recevoir de France les bougies Bath & Body Works et tout ça. Il faut savoir que je crois qu'ils font deux fois dans l'année les grosses soldes semi-annuelles. Et là, c'est tombé du coup lundi 14 juin. En plus, j'étais en congé. Alléluia. Il y avait énormément de choix et encore, je me suis retenue. Le ticket est long. J'en ai pour 287 $, ce qui fait peut-être 200 € voire moins, mais au lieu de 600 $, ça valait le coup et je suis tranquille pour un moment parce que j'ai pris même des bougies pour la saison automne-hiver, donc parfait. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. J'ai un sac là qui est bien rempli, petit, mais j'en ai encore un énorme à côté que vous voyez pas. Il est archi lourd parce qu'il y a 6 bougies je crois dedans, même 7. Voilà la bête. Je vais un peu piocher au hasard pour vous montrer un peu tout ce que j'ai pris, parce que sinon on va pas s'en sortir si je commence à tout rassembler par catégorie. Donc écoutez, c'est parti, j'espère que vous êtes bien installés parce que là la vidéo va durer certainement un moment. J'espère que mes hauls vous auront pas trop manqué, mais du coup là je pense que ça peut être intéressant parce que vous allez vous rendre compte un peu de tous les articles qu'on peut trouver chez Bath & Body Works, parce qu'il n'y a pas uniquement des bougies. Notamment ces genres de petits supports pour prises qui sont juste adorables, c'est magnifique. Donc c'est des petites prises évidemment, moi aux prises canadiennes. Si vous commandez par Shipito, pensez à acheter des adaptateurs parce que sinon vous pourrez pas les installer chez vous. J'en ai pris de plusieurs sortes, mais j'en ai pris tout d'abord un avec le flamant rose pour mettre dans ma pièce YouTube. Ça ira parfaitement parce que c'est un peu rose, mint et tout ça. Je vais pas vous dire les prix à chaque fois parce que je vous ai dit le prix total global, mais en gros c'était tout à moins 50% minimum, hormis les bougies automne-hiver à moins 75. Pour vous donner une idée, ça c'était 14,50 $. Sans taxe, du coup moins 50% ça faisait dans les 7 $ plus taxe. Donc voilà, le petit flamant rose, on va pas passer 2 heures parce qu'on va y passer toute une journée. Petit flamant rose, ça ira dans ma chambre. Donc c'est une prise et j'ai acheté évidemment les parfums pour mettre dessus pour que ça sente bon en fait un peu dans chaque pièce, parce qu'il faut savoir que même si on aère beaucoup, et j'imagine même pas en hiver vu qu'il va faire froid, avec la litière, moi j'ai la litière dans le bureau parce que pour l'instant on l'a mis là et des fois ça sent pas la rose quoi. J'ai pris les magnifiques supports comme ça puisqu'ils étaient aussi en promotion pour mettre les bougies Bath & Body Works et ils sont juste magnifiques. Donc j'en ai pris 2 en tout pour mettre les bougies à 3 mèches. Il est magnifique celui-là, doré avec les petites fleurs blanches. Les petits parfums que je vous disais, ça se présente comme ça, un peu, vous savez, comme les fébraises qu'on trouve un petit peu partout, sauf que là, évidemment, c'est les senteurs de chez Bath & Body Works. Donc j'ai pris Fraîche Coton, Mahagany Teak Wood. Alors je sais même pas qu'est-ce que ça sent, mais ça je crois que ça sentait super bon. Ça sent... Ah oui, en fait ça sent le mec je trouve, et j'adore moi les odeurs mec comme ça. J'ai pris Warm Ocean, ça sent clairement le propre, la mer et tout. Cactus Blossom, j'étais obligée, Team Cactus. J'ai pris un autre support du coup pour les bougies, donc en tout j'en ai 2. Donc j'en ai pris un argenté avec des strass et l'autre doré avec un pied et lui sans pied, juste avec des strass autour. Donc voilà, moi j'en ai 2, il y en avait plein d'autres avec des papillons et tout, mais moi je trouve que c'était les 2 plus sympas. J'ai pris un autre support, alors là j'ai trop hâte de l'essayer, parce que je crois que celui-là, le support pour prise là pour mettre les parfums, c'est un petit bougeoir en fait à l'intérieur et je crois que la mèche s'allume. Donc ça, ça va faire une super ambiance je pense dans le salon. Bon, je voulais vous montrer la prise allumée de la petite bougie, ce que ça donnait. Ça rend trop bien, j'adore. J'ai pris un autre, un hippocampe. Il est trop mignon. Donc celui-là, je pense qu'il va aller dans la salle de bain. Checkez ça comme il est beau. Un peu dans les tons crème avec les strass là. Et l'hippocampe aussi dans la salle de bain. Bon, là, j'ai éteint la lumière. Je savais même pas que ça restait allumé comme ça. C'est trop beau. On va passer aux bougies. Parce que là, je vais vous montrer du coup les 7 que je me suis prise. J'en ai pris une pour l'automne. Elles sont juste super bon. C'est vanilla, pumpkin, marshmallow. Elles sont clairement l'automne, les gâteaux et tout. J'adore, ça sent trop trop bon. Ils sont tellement belles. J'ai pris que des bougies, 3 mèches. Moi du coup. Ensuite j'ai pris celle-ci plus pour l'été. Elle sent super bon. Ça sent un peu la noix de coco. C'est Fiji White Sand. C'est mon coup de cœur pour cet été. Elle a le couvercle vert. C'est sable blanc des îles Fidji. Alors celle-ci je vous la conseille à 2000. C'est une tuerie. J'ai pris celle-ci. Ah oui, celle-ci j'adore. Elle sent trop bon. Donc il l'avait sorti je crois pour la fête des mères. J'en avais sorti d'ailleurs plusieurs pour la fête des mères. Mais celle au champagne j'avais pas trop aimé. Par contre celle-ci lila rose et vanille. Ma là pour la saison actuelle, pour le printemps, c'est parfait avec l'été qui arrive. Ça sent les plantes, mais en même temps c'est sucré. Enfin, c'est les fleurs, ouais, vraiment le lilas. Ouais, ça me fait penser en fait comme quand je passais dans le jardin chez mes grands-parents, des fois il y avait des odeurs de fleurs comme ça et ça sent exactement ça. C'est une tuerie, elle sent trop bon celle-ci. Et puis les packagings, on rappellera quand même qu'ils sont quand même archi forts, hein, Bath & Body Works. Ah, évidemment, j'en ai pris une pour Noël. D'ailleurs, ils en avaient pas énormément pour Noël hein, de soldés, mais j'ai pris au moins les 2 qu'il y avait. Pommes épicées, elles sont trop bon. Ça sent, attendez, je vais vous dire. Ouais, ça sent, je trouve, un mélange de cannelle et tout. Mélangé ouais aux pommes caramélisées. Oh, en même temps c'est pas écœurant, ça sent propre. Elle est trop belle celle-ci, violette comme ça. Regardez-moi ces détails féeriques. J'ai pris celle-ci, alors celle-ci comme je vous ai dit, j'adore les odeurs de mec. Je me demande si c'est pas la même, mais oui, j'ai pris la même, ça, je m'en suis même pas rendu compte. J'ai pris la même que le petit spray comme ça à mettre dans la prise, c'est Mahogany Teak Wood. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire acajou et teak. Et ça sent clairement, mais clairement le mec. Elles sont trop bon. Ça c'est...
C'est comme mon chéri, il se met du parfum et tout, j'adore, je trouve que ça sent la même odeur, c'est une dinguerie si vous aimez les odeurs de mec, même pour le célibataire ou autre, franchement je vous conseille, ça vous donne une petite note, une petite touche de parfum homme chez vous. Celle-ci elle est tellement belle et en fait c'est une des plus classiques puisque c'est linge gorgé de soleil et elles sont trop bon. Et même le packaging il est incroyable parce qu'il y a plein de petites gouttes en fait dessus, je vais essayer de vous montrer ça qui brille. Elles sentent clairement le propre, le linge qui vient de sortir de la machine, c'est fou. Est-ce que vous allez pouvoir voir les gouttes sur la bougie du packaging? J'espère que oui. Les dernières bougies, après on passera au petit sac. Ben, c'est celle de Noël aussi. C'est temps des fêtes, on va dire mieux. Elle ressemble de toute façon fortement à l'autre et ça sent un peu la cannelle. Ça c'est vraiment clairement la bougie à mettre sur la table de Noël. Le packaging est féerique aussi comme ça. Magnifique. Rose en plus ça change un peu pour moi je trouve. J'ai pris alors cette gamme-ci parce qu'ils ont aussi des crèmes pour le corps et tout ça chez Bath & Body Works. Et moi j'adore cette, j'ai pris toute la gamme d'ailleurs, Into the Night. C'est la lotion lumineuse et fouettée. Donc celle-ci elle a des paillettes clairement à l'intérieur, mais cette gamme elle sent trop bon. Et celle-là elle laisse en plus des petites paillettes dessus. On a envie de la manger. Vous verrez clairement pas les paillettes. J'en avais mis sur mes mains, j'avais les mains vraiment toutes pailletées. Donc la gamme c'est celle-ci si vous voulez la voir. C'est un packaging noir avec plein de strass. Je sais pas, je trouve que ça sent le sucré, la femme. J'ai pris la panoplie, j'ai même pas ouvert encore le parfum, mais j'avais pris le parfum aussi parce que j'ai pris la brune parce qu'il est en 50 ml. Ouais, c'est en 50 ml. Ils ont mis une énorme boîte comme ça pour un petit parfum comme ça. Oh, j'adore. Le parfum va tenir certainement plus que la brume parce que les brumes de chez Victoria's Secret ça sent bon sur le moment. Moi j'adore en mettre quand je sors de la douche et tout, mais je trouve que ça tient pas non plus de fou. J'adore en plus en mettre sur les poignets, ça peut sentir toute la journée. J'ai pris le gommage lumineux du coup pour le corps aussi. Il y a plein de paillettes dedans, donc là c'est bien pour se faire un petit gommage du corps. J'ai pris aussi cette petite brume lumineuse comme ça avec des paillettes dedans. C'est une brume chatoyante diamant rose comme ça pailletée à mettre sur le corps en fait et elles sont juste super bon. J'adore mettre des petites paillettes et tout sur le corps avec le soleil et tout. Bien bronzé, ça va être joli. J'ai pris 6 brumes, donc évidemment j'ai pris la brume de la même gamme que les produits pour le corps et le parfum que j'ai pris. Alors celle-ci elles sont super bon, c'est à la Barbapapa et c'est Tire sur la promenade son nom. Ça ça veut dire dans la nuit, donc c'est le truc à avoir en soirée quoi. J'ai pris celle-ci elles sont, de toute façon les 6 que j'ai pris elles sont super bon parce que j'ai pu les sentir. Celle-ci c'est 1000 souhaits, j'ai plus odeur sucrée moi donc voilà, si vous aimez après plus les odeurs fleuries ou autre, par contre je vous conseille clairement celle-ci moi qui suis plus odeur sucrée. Là j'ai totalement aimé la brume Cherry Blossom, c'est une dinguerie plus dans les tons un peu floral. Oh, j'adore, mais j'adore l'odeur. Ça sent la noix de coco à 1000 à l'heure. Ça ça sent clairement quand vous allez sur la plage au soleil, tous ceux qui se badigeonnent de crème ou de monoeil ou quoi, mais ça sent la même odeur. Et du coup bah, c'est couverture sur la plage, ça ne m'étonne pas et ça sent trop bon. Un mélange ils disent de linge frais, rayon de soleil d'été, doux musc. Une dinguerie. On dirait que je vais les manger les trucs tellement ça sent bon. Ah oui, on va terminer avec celle-ci, Magic in the Air. Là je me sens que c'était une édition d'ailleurs de fête de fin d'année. Super bon le sucré, le temps des fêtes, en même temps le propre, enfin bref tout ce que j'aime. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour pour mes achats soldes chez Bath & Body Works. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura permis de voir un peu tout ce qu'on peut trouver, que ce soit les porte-bougies, les brumes, les lotions pour le corps, les bougies, les prises, les supports pour prises. Il y a énormément de choix, hein. Il n'y a pas que les bougies 3 mèches qui sont vraiment réputées. Moi cette boutique ça va être le mal pour moi, mais je vais essayer d'y aller vraiment que quand il y a les soldes. Il faut dire que j'ai attendu une heure au fait hein, pour rentrer dans le magasin tellement c'était plein. Je savais pas que ça avait autant de succès. Encore j'avais été à l'ouverture, j'ai attendu une heure pour rentrer dans le magasin parce qu'évidemment c'est limité par un nombre de personnes, sinon je pense que ça aurait été la cohue. Ça vaut tellement le coup de faire son stock pendant les soldes semi-annuels chez Bath & Body Works. Ce qui est bien c'est que en boutique en plus vous pouvez sentir, même avec le masque, vous sentez à travers le masque et ça sent fortement avec les échantillons, qui est mille fois mieux que quand vous commandez bien entendu sur internet comme je faisais en France, que des fois on avait des surprises que ça ne plaisait pas forcément les odeurs, alors que là tout ce que j'ai pris je surkiffe. Écoutez, j'espère en tout cas moi que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais en tout cas des bisous et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, bye bye.